Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, tout de suite le sommaire. Les paysans nigériens entre le doute et l'espoir à l'approche de la fin de la campagne agricole 2013. Dans le département de Saï, la situation est inquiétante et témoignage dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le président de la République, Issou Mamadou, a perdu le soutien de son principal allié à mi-mandat. Le moderne Lumana Africa de Ham Mamadou a rejoint le camp de l'opposition politique Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République. Relativement à cette nouvelle donne, le président par intérim du PNDS Taria, Mohamed Bazoum, était l'invité ce matin de Christophe Beauvivier de RFI. Suivons l'entretien. Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Le passage dans l'opposition du président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, et de son parti, Modène Lumana, est-ce que ce n'est pas un coup dur pour vous? Oh, c'est quelque chose que nous n'aurions pas souhaité, mais pour autant, ce n'est pas un coup dur. Parce que tout simplement, même sans ce parti, nous avions 58 députés et la majorité, c'est 57. Il faut savoir également que si nous avons perdu le Lumana, nous avons gagné une bonne partie du MNSD Nassara, dont le secrétaire général et certains des responsables éminents sont membres de notre gouvernement. Nous pensons que nous avons une majorité confortable de l'ordre de 70 députés. Sur 113, nous n'avons aucun souci quant à la stabilité des institutions. Alors c'est vrai que vous avez récupéré certains députés du parti MNSD de l'ancien président Tandja, mais depuis la présidentielle de 2011, il y a quatre figures politiques au Niger, et trois de ces quatre figures, à savoir l'ancien président Mahamadou Ousmane, l'ancien premier ministre Ama Amadou et l'ancien ministre Seni Oumarou, sont maintenant coalisés contre vous. Est-ce que ce n'est quand même pas difficile à vivre? Non, ce n'est pas difficile à vivre parce que M. Seni Oumarou ne représente qu'une fraction du MNSD, de même que nous avons le secrétaire général et le vice-président du parti de M. Amadou. Avec ses méthodes de débauchage et d'intimidation, le président veut instaurer une dictature personnelle, affirme l'un de ses prédécesseurs, Mahamadou Ousmane. L'accusation est grave. Oui, je vous fais observer que le président Issoufou a dépénalisé le délit de presse. Il s'est engagé sur l'honneur de ne jamais poursuivre un journaliste en justice. Vous savez, à mon avis, le président Ousmane est en train de faire son apprentissage de l'opposition et il n'en maîtrise pas encore tout à fait le discours. En voulant jouer les opposants radicaux, il commet en l'occurrence un abus de vocabulaire grave, car pour le coup, traiter Issoufou de dictateur, ça veut dire qu'on banalise outrageusement ce mot terrible de dictateur. Et ce n'est pas à l'honneur d'un homme qui a été chef d'État, lui aussi, et contre lequel peut-être des personnes ont pu dire des choses aussi graves. Ce qui est certain, c'est que le ton monte entre le pouvoir et l'opposition. N'est-ce pas le signe qu'un peu plus de 2 ans avant la prochaine élection présidentielle, eh bien, plusieurs opposants, comme Ama Amadou, sont déjà en campagne? Oui, M. Ama Amadou est en campagne et sa rupture avec nous procède d'un agenda. Et c'est dans la perspective des élections de 2016 que tout cela s'est fait. Et est-ce que le président Mahamadou Issoufou sera candidat à sa réélection en 2016? A priori, il n'y a pas de raison que Issoufou ne soit pas candidat en 2016, mais jusqu'à présent, nous n'en avons jamais parlé. 2016, pour le moment, pour nous, c'est trop loin. Et évidemment que pour nous, Mahamadou Issoufou est notre candidat naturel. Et si tout se passe bien, ce sera lui notre candidat de façon tout à fait naturelle. Ama Amadou est passé à l'opposition, mais il préside toujours l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez essayer de le déloger du perchoir? Je ne pense pas que nous le ferions pour le faire partir de la tête de l'Assemblée nationale. Il faut une majorité qualifiée. Et aujourd'hui, je n'ai pas dit que nous avons une majorité de 2/3 de députés. J'ai dit que nous avons une majorité confortable. Et si M. Ama Amadou se comporte de façon républicaine et respecte les règles des institutions et leur fonctionnement, nous pouvons nous accommoder de lui. Mais que si d'aventure il devait ne pas avoir ce comportement-là, les députés auront la réaction appropriée à son égard. Monsieur le ministre, merci. Tout autre chose à présent dans ce journal, beaucoup d'usagers en critiquent sa réalisation. Il s'agit du rond-point Bukoki Askia. Tout comme les usagers, les spécialistes de la circulation routière appellent à une modification de ce rond-point avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Le constat avec notre reporter Omar Issouf sur des images de Suleiman Mahamadou. Ce rond-point Bukoki Askia, situé à quelques 300 mètres de l'échangeur, a été réalisé il y a quelques jours de cela pour faciliter la circulation aux usagers.
mais force est de constater qu'il constitue un obstacle aux usagers qui estiment que le rond-point est mal fait. Ce rond-point fait face à ma maison et je puis vous dire que c'est un danger pour nous autres riverains. Il n'y a pas de jour depuis qu'il a été réalisé qu'il n'a pas provoqué d'accident. Ils doivent le revoir. C'est mal fait, il faut réduire sa taille. Quand même, il faut reconnaître que l'idée d'ériger un rond-point à cet endroit est bonne. Le rond-point n'est pas bien fait, quoi, parce que ça provoque beaucoup d'accidents, quoi. Ça amène beaucoup d'accidents. Moi, je voulais qu'on supprime ça. Les spécialistes de la circulation partagent les mêmes avis que ces usagers. D'où la nécessité de revoir ce rond-point très élargi afin de permettre aux usagers de circuler sans grand risque d'accident, rétorque Issoufou Ali Madougou, directeur général d'une auto-école. Ce n'est pas un rond-point parce qu'il n'y a aucune technique qui est utilisée. C'est bien seulement c'est une voie où les gens roulent, jamais à moins de 80 km à l'heure. Et dans l'obscurité, quand vous venez vous cogner à ce trottoir, vraiment, ça peut être fatal. Vraiment, il n'y a aucune technique qui est utilisée. Avant de tracer ce rond-point, on doit écarter la voie, on doit élargir la voie du côté droit. En venant du Bokoti, on doit l'écarter sur la droite. En venant de nouveaux échangeurs, on doit ouvrir la voie par la droite. Et maintenant, côté de rond-point aussi, on doit baliser, on doit signaler. Et on pose un truc comme ça en plein centre. Moi, le premier jour, quand j'ai constaté ça, je sais que beaucoup de gens seront tués là-bas. Et vraiment, moi, j'appelle à qui le droit de corriger ce problème-là avant qu'il soit grandement tard. Merveilleux échangeur à côté d'un mauvais rond-point égale mauvaise image pour l'échangeur. La société civile active dans le domaine des ressources minières salue la démarche des autorités nigériennes pour une relecture des contrats qui lient l'État du Niger à Areva. Pour le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, GREN, le gouvernement de Brigitte Raffini doit tout mettre en œuvre pour que qu'il y ait des négociations fructueuses et bénéfiques pour les citoyens nigériens. Ousmane Djibo, il est vice-coordinateur du GREN. Ce qui est important, c'est de voir exactement qu'est-ce qu'on veut ici au Niger. Parce que nous savons qu'il y a des problèmes de fonds. Par rapport aux exonérations de ces entreprises. Et par rapport aux sous-traitances. Donc, le Niger doit s'investir pour que le Nigérien sente que nous exploitons de l'uranium et voilà les retombées. Et qu'est-ce qu'on fait de ces retombées? Les contrats actuels ne sont même pas respectés parce qu'il y a des clauses qui ne sont pas respectées. Parce que le problème de fond, c'est que c'est fortement politisé. Et vous avez vu, on n'a même pas laissé le ministère des Mines faire son travail. Et nous disons que le problème de fond, Areva, c'est une entreprise française. Et nous avons notre entreprise nigérienne qui est la Sopamine. Donc c'est cette entreprise qu'il faut renforcer et en la donnant des moyens des humains et puis matériels. Et quand on regarde au fond, on ne s'investit pas ici au Niger pour gagner davantage. Les retombées, qu'est-ce qu'on fait de ces retombées? Est-ce qu'on forme les Nigériens, les jeunes Nigériens, pour s'adapter à la situation? Parce que le problème, c'est la formation. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme universitaire et t'asseoir 10 ans sans rien faire, sans te perfectionner, et tu vas dire que non. Et le mine, ça évolue, et le matériel aussi, adapté, ça évolue. Il y a un cadre étueux où les rapports doivent sortir, et c'est ces rapports qui doivent nous édifier. Et l'étueux, c'est nous sommes vraiment partie prenante en tant que société civile, mais c'est le cadre idéal de sortir des chiffres réels. Actuellement, nous avons seulement le rapport 2010. 2011,
parle pas. 2012, on ne parle plus. Donc, c'est ces rapports qui doivent sortir et l'État doit dire exactement ce qu'il a gagné. Et les entreprises aussi, de leur, ils ont le devoir, eux, de dire ce qu'ils ont payé à l'État. L'actualité dans nos régions, direction d'IFA, la capitale du manga, où notre reporter Hassan Saleh Mustapha s'est intéressé à un jeune artisan styliste. Il s'appelle Adamou Mani. Avec son génie créateur, il confectionne donc à la grande satisfaction des clients. Suivez donc le reportage sur Abdou Mani. Ces chaussures de toutes sortes sont fabriquées au Niger, précisément à Difa. Elles sont l'œuvre du jeune artisan Adamou Mani. C'est le goudier. Ce métier est passionnant et demande beaucoup de patience, surtout avec les clients qui ne sont pas tolérants parfois. Je confectionne toutes sortes de modèles que je crée moi-même et les clients les apprécient beaucoup. Généralement, j'utilise plusieurs matières, dont la plupart importées du Nigeria. Bref, c'est un mélange de tout ce qui peut nous être utile. Surtout ma canon. Ingénieux et talentueux Adamou, artisan styliste, dessert la population de Difa et alentour, et même les personnes de passage apprécient les chaussures made in Difa, des chaussures confectionnées avec des matières importées du Nigeria. Vraiment, je vois que c'est un truc très spécial et puis vraiment, je suis à Yami. J'ai jamais su que je pouvais avoir des modèles très splendides. Vraiment, c'est des trucs que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis, quand je les ai vus, vraiment, c'est très impressionnant. Le prix, il est abordable. S'agissant de la clientèle, Dieu merci. Parfois, on gagne beaucoup. Et dans le cas contraire, nous sommes confrontés au problème de mes ventes. Au début, j'ai commencé à travailler à la maison. Mais avec le temps, je me suis installé ici. Avant, je confectionnais une à deux paires. Actuellement, je peux en faire entre 7 et 10. Mais ça dépend aussi des modèles. Adamou Mani, âgé d'une trentaine d'années, a fait ses premiers pas dans le domaine de maroquinerie à Dakar, au Sénégal, dans les années 2000. Avant de regagner le Barkaï pour s'installer définitivement en 2008. Pour le moment, il est le seul qui exerce ce métier à Difa. Je suis seul dans cet atelier pour l'instant, mais avec le temps, je ferai appel à des apprentis. Moi, j'ai appris ce métier à Dakar, au Sénégal. Ça fait pratiquement 5 ans que je l'exerce. Et vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu car je suis en train de récolter ses fruits. Mon seul problème qui me bloque parfois, c'est le manque de nécessaire ici à Difa. Chaque fois, il faut commander et ça peut prendre beaucoup de temps avant d'arriver. Je fabrique toutes sortes de chaussures, des chaussures simples, des babouches, des souliers, etc. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ici, je fais tout. Pour exercer son métier, Adamou dispose d'une machine à coudre et d'autres accessoires. Concentré et déterminé, il confectionne plusieurs paires par jour. Des chaussures de toutes les bourses à la grande satisfaction des clients. Je suis assuré. C'est un gros truc vraiment que j'apprécie vraiment et j'invite aussi la population vraiment. Vous voyez, ce sont des travaux de main que vraiment la population peut venir s'inscrire. Vraiment, ça va beaucoup aider la population. Vraiment, c'est très important. La maroquinerie est une activité peu connue à Difa, mais grâce aux œuvres de Adamou, elle se développe du jour au lendemain. Des gens comme le jeune Adamou qui se débrouille avec son peu de moyens mérite d'être encouragé et soutenu. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision La Barie. Bonsoir.